Hello, je me dis à ma pion, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Watch Dogs 2. C'est le jeu, hein, voilà. Et juste parce que en ce moment c'est un petit peu spécial, j'ai déjà fait mes vidéos à l'avance. Je vais vous montrer combien m'a rapporté mes publicités sur YouTube. Je vous montre un petit coup, histoire d'être transparent, mes revenus générés par la publicité sur YouTube. Et oui, j'ai activé ma publicité sur YouTube depuis déjà un bon petit moment. Et la vidéo qui m'a rapporté le plus s'appelle SFR numéro 1. Voilà. Là, vous avez le reste de ce que m'a rapporté les vidéos. Voilà. Ok, bon, on se retrouve. Ouais, toi, t'as une belle petite voiture là. Alors, je te l'emprunte. Ça te dérange pas, hein? Ok, super. En plus, t'as un casque. Voilà, meuf, please. Où est les petits Frieza? Où est les bons petits Frieza? Bon, du coup, on avait fait Honum et Sioness. Ah, yes. Ça fait mal. Dans quel sens? Ok, comme ça. Allez, ça peut ne pas le faire. Ok. C'est faux. Vous n'avez rien vu, je n'ai rien fait. Mais presque bien garé. Alors donc, je me plante, j'appuie sur table, c'est pas grave. L'application d'être sac. Chinoiserie. Citara, c'est quoi le numéro de conteneur que je dois trouver? LV 426. Ah, pas mal. Tu veux tester mes références? Un peu, ouais, j'avoue. Bon, ça commence par SIBU 707. Ok, je le vois. Mais il y a d'autres conteneurs juste devant. Il faut que je trouve le moyen d'y accéder. Easy, ma gueule. Oh. Non, j'ai pas eu. Allez. C'est pas ça, allez, ça. Non, j'ai pas. Ah non, que. Voyons. Je vous le cache pas. En fait, il n'y avait pas besoin de... Oh putain! Calme-toi! Calme-toi, je t'ai dit de te calmer, bordel! Petite devinette, c'est quoi qui est chinois et qui fait du trafic d'êtres humains? Facile, les anti-shoe boys. Ouais, bah, c'est du trafic de luxe parce que j'ai jamais vu un truc pareil. Leur conteneur est mieux que mon dernier appart, putain. Je vais t'envoyer une photo. Reçu. Qui c'est? Et pourquoi il saigne du nez? Noodle Translate lui a fait un coup de pute. Cela dit, il a pas la gueule d'un chargement ordinaire. Je vois pas trop ce que je peux en faire. Essaie de retrouver son visage sur le net. Si tu veux mon avis, il a dû aller à l'école s'ils se sont donné autant de mal.
Ok. J'essaie les écoles chinoises et je te recontacte si je trouve quelque chose. Ok. Oh, et tant que j'y suis, bienvenue en Amérique. Ouais, donc du coup, en fait, ce qu'il fallait faire, c'était juste bouger un petit conteneur pour pouvoir y accéder. Tout con. Marcus, j'ai trouvé ton gars. Ça donne quoi? Diplômé de la Shanghai Jiao Tong University. Il a un double master en statistique et commerce. Pro de l'analyse quantitative. Le profil parfait pour bidouiller les marchés boursiers. En clair, les anti-shoeboys sont à fond dans le business du trading. J'ai un contact à Chinatown qui connaît les anti-shoeboys. Je vais t'envoyer ses coordonnées. Il t'aidera peut-être à obtenir des réponses. Ouais, donc en fait, là, le gars, il s'est vachement rapproché du conteneur, d'un seul coup. D'accord. Du coup, je récupère ma petite moto et on va faire une autre mission. Que Dushan se pointe chez Tidis. C'est trop dommage. Eux qui avaient tellement investi dans cette présentation. Et ouais, encore une histoire d'amour de la Silicon Valley qui finit mal. Ah, oh, tu me brises le cœur. Je viens même de verser une petite larme. Non, plus sérieusement. On vient de tuer dans l'œuf un partenariat sur 10 ans. Et la plus grande opportunité pour Bloom d'associer les flics au CityOS grâce à leur... Je sais même pas. Ils comptent inventer quoi, en fait? Des chars policiers robots araignées géants. Arrête, c'était pas un concept sérieux, ça. Je te jure, véridique. Les armées contrôlées par des machines sont-elles une réalité? Le groupe de hackers DeadSec a publié aujourd'hui une mise en garde alarmante. DeadSec a diffusé des images tournées à l'intérieur du complexe ultra-secret dévoilant la technologie préparée pour contrer les émeutes. Les hackers ont publié des informations prouvant que la société de technologie militaire Tidis a détourné l'argent des contribuables afin de financer ses recherches et de construire des robots armés destinés à un usage domestique. Tidis se refuse pour l'instant à tout commentaire. C'est bête. Du coup, cette mission-là. Mais putain, je m'en fous. Je me déconnecte. Voilà, je m'en fous. Hey, tu connais ce mec? Ah, bah bravo, super comme attitude. Écoute, je sais que c'est les anti-shoeboys qui les font entrer. Je veux savoir pourquoi. Non, je le connais pas. On se connaît pas tous, tu sais. Sitara m'a dit que tu pourrais m'aider, alors donne-moi quelque chose. Eh bah fallait le dire tout de suite. Anti-shoe a un bureau dans l'entreprise d'import-export sur Gold Street. Leurs registres sont là-bas. Eh, tu diras à Sitara qu'on les quitte maintenant. Ouais, ouais, merci. Trouvez les documents dans le coffre. Alors, là, il y a une personne riche. Hop là. Ouais, 500 euros, ça va. Ok, tout le monde, je suis sur une piste à Chinatown. Je pense que c'est une sorte de planque qui doit servir à Antichou. Si je trouve quelque chose, je vous rappelle. Ok. Oublie pas de chercher tout ce qui peut être lié au piratage des places financières. Et j'espère bien, parce que je vais rentrer dessus. Donc, un mec là. Ok, let's go. Je vais faire. Je vais faire.
Regarde certains boosters, c'est un truc grand. Du coup là il n'y a plus personne ici. Moi je peux prendre ça. C'est prometteur ça, on va voir ce que tu caches. T'as trouvé quelque chose? Des documents. Tu lis le chinois? Non, mais les cartes et les graphiques, je sais les lire. Des cartes et des graphiques de quoi? Un parc de serveurs flottants. Des nœuds informatiques, des générateurs, ils sont dans les eaux internationales près du câble sino-américain. Ça fait des années que la flotte du Pacifique chasse les bateaux et les sous-marins de la zone. Mais ça fait une grande surface à couvrir. Sauf quant à leurs coordonnées. Merci les Anti-Shoe Boys. Super, maintenant tire-toi de là. Ouais, c'est ce que je comptais faire, t'inquiète pas. Du coup, je vais prendre ça, parce que c'est rigolo. Et que ça sert pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on y croit. Nous y croyons. C'est quoi le plan, mon grand? On pirate la péniche et on regarde ce qui se passe à l'intérieur. En espérant qu'on trouve pourquoi Bloom permet à des types d'utiliser son Bellwether en bourse. Le souci, c'est qu'elle est hyper loin. Ok. La péniche est pas reliée au CityOS, elle doit utiliser les protocoles chinois. Mais je vais t'arranger le coup, mon gars. T'inquiète, de mon côté, tu seras raccordé. Mets ton téléphone dans un lieu dégagé. Je t'envoie les coordonnées d'un phare à Marine. Ah, si t'as une minute, pense à lever le nez. La vue est magnifique. C'est génial, ça explose même pas. Bon, je pense qu'il va bientôt tomber en panne, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Moi, je vais continuer après de record, parce que j'aime bien. Je vais vous faire attendre. Du coup, c'était Happy. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!